Réveille, réveille! C'est l'heure d'aller à l'école. Debout, debout, réveille-toi. Maman, c'est vendredi. Et alors? 10 minutes de plus, s'il te plaît. Je suis désolée, chérie. Ce n'est pas possible ce matin. Et c'est à ça que sert le samedi. Debout, debout, va t'apprêter pour l'école. Écoute, si tu ne te réveilles pas, tu auras sali à tes trousses. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Je t'attends. Dépêche-toi. Sinon, tu auras sali à tes trousses. Bon sang. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà qui est maintenant clair. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose derrière cette alliance. Bon sang. Ce n'est pas vrai. Écoute, tout le monde a une astuce. Et c'est désormais la mienne. Il s'agit juste de me promener ça et là et puis bon, j'ai la fille que je veux. Oh. Tiki, cette histoire est vraiment très drôle. Pas étonnant que tu changes de femme comme tu changes de dessous. Mais, attends une seconde. Essaie, tu te venges des femmes juste parce que une femme t'a fait l'amour un jour durant vos échanges. Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que t'es dans une opération de vengeance contre les femmes. Attends un instant. Ouais. Pourquoi une fille célibataire voudrait sortir avec un homme marié? Très bonne question. Tu sais, ma théorie est la suivante. Tout le monde désire avoir ce qui appartient entre lui. Oh. Ah oui. Alors, dans ce cas, personne ne prend de balle. Ainsi, tout le monde s'en sort seul, sauf. Très bien, mais je ne fais pas partie de cette code de pensée. Ah, s'il te plaît, oublie ça. C'est vrai qu'il nous vient souvent à l'esprit de balancer cette alliance à l'océan. Mais je ne pourrai la retrouver. Elle est donc précieuse. Elle me donne la fille que je veux. Voilà pourquoi je la garde. Je veux les hommes mariés, mon ami. C'est une bonne chose. De cette façon, personne n'a le cœur brisé. Chacun sachant dans quoi il s'est engagé. C'est un pur mélange. Tekina, c'est juste que je ne cesse de me poser comme question. C'est savoir comment je peux être ton ami. Parce que c'est vraiment incroyable. Bonjour, T. Ah, Fiona, bonjour. Comment s'est déroulée ton opération? Ah, assez bien. Désolée d'avoir pas été là. Ah, t'en fais pas. Alors, comment va ton dos? Ma chère, c'est l'enfer. Attends, comment es-tu au courant? T'as joué au tennis avec ton ami la soirée dernière. Écoutez, je t'ai toujours conseillé de laisser reposer tes muscles avant et après des activités exigeantes. D'accord. C'est... juste que cette affaire de repos et d'étirement m'ennuie quelque peu. T'inquiète pas, je vais te trouver un truc pour ton dos et je te promets que tu te sentiras mieux. D'accord, c'est génial alors. En passant, ai-je reçu des appels? Ta maman a appelé et elle a vraiment aimé le bracelet que tu lui as envoyé pour son anniversaire. C'est vraiment gentil de ta part, n'est-ce pas? Peut-être. Je suis sûr que je suis un très bon fils. D'accord, si tu le dis. J'ai du travail. À plus tard. Ok, à plus tard. Mec, sais-tu que j'ai un faible pour Fiona? Quoi? Ma secrétaire? En quoi est-ce que cela dérange? Tu sais, tout comme dans les films, on peut trouver l'amour même dans les endroits les plus improbables. Je m'apprête à partir pour l'école de ma fille. Y a-t-il un problème? Il est l'heure pour moi d'aller la chercher. Oh, il est déjà 14h. Oh, le temps passe si vite. Très bien, sois prudente. Merci. Amuse-toi bien à faire la cour à une autre jeune fille de 18 ans. Oh, quant à toi, prends bien ton pied à regarder les grandes personnes s'amuser sous la douche et se livrer des émotions toute la nuit. Oh, de grâce. Oh, de grâce.
Hey! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? C'est la première fois que tu la vois? Oh mec, regarde cette fille. Elle est tellement réservée. Et oublie. Qu'est-ce que t'amènes? Qu'est-ce que tu veux? Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Tu vois ta vie? Salut. Désolé. Fiona? Mais je n'aperçois personne dehors. Fiona, crois-moi, je l'ai vu tenu devant ton portail. Je l'ai vu, il avait un bouquet entre les mains. Un bouquet? Oui. Il est peut-être amoureux, un truc du genre. Amoureux en plus. De qui? Je parle rarement aux gens dans le voisinage. Je n'adresse même pas la parole à mes voisins. Alors qui est amoureux de qui ici? Voyons, Fiona, tu es une très belle femme. Mm-hmm. Mais j'ai une fille. Une grande fille en plus. Ne l'oublie surtout pas. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Ça ressemble beaucoup plus en mensonge pour moi. D'accord. Allons à l'extérieur. Pourquoi faire? Tu ne me crois pas, alors faisons un tour dehors. Je te montrerai. Tu crois que je suis une menteuse? Alors suis-moi. Bien sûr que tu racontes des mensonges, néné. Alors prouve-le. Alors, où est cette personne? Il était juste là, oui. Et pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Il s'est tout à coup transformé en mouche? Je crois que nous l'aurions vu voler pour s'enfuir. Arrête Fiona, je ne peux pas blaguer avec ce genre de sujet. Écoute, j'ai vu ce jeune homme ici. Il était là avec un bouquet et il essayait de réciter un poème, un truc du genre. Attends, un poème? Pour qui? Pour toi! Fiona, écoute, j'ai vu l'amour briller dans ses yeux, je te jure. Oh, Fiona, je sais identifier. J'ai vu de l'amour. Néné. Donc, tu sais désormais à quoi ressemble l'amour. Tu connais le visage de l'amour. Je pense que tu trouves ça assez drôle, n'est-ce pas? Tu trouves que c'est drôle? Non, c'est vrai, je... Salut ma chérie. Pourquoi es-tu si belle?
C'est une technique d'approche très vulgaire, d'accord? Je dois y aller. Attends. Alors dis-moi, en dehors d'être aussi mignonne, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je vous assure que je n'ai pas le temps pour ça. J'ai des trucs à faire et je ne suis pas intéressée. C'est sûr de cela? Tu devrais peut-être réfléchir. Sucre d'orge. Waouh. Tu sais, il y a un adage qui dit, lorsqu'un pingouin trouve sa compagne... Oh mon Dieu. Les deux restent ensemble plus récents de leur jour. Alors, voudrais-tu devenir mon pingouin? Ça, c'est de l'humour de bas étage. Sérieusement. D'accord. Oublie mes vilaines plaisanteries, d'accord? D'accord. Je m'appelle Tekena. Tekena Lloyd. Palmer. Palmer Odon. Oh, Palmer. Quel nom original. Un nom original pour une femme... originale. Oh. Wow. Eh bien, Palmer, dis-moi. Eh bien, aimerais-tu pas installer ton corps de rêve dans ce véhicule pour que je te conduise dans un de ces espaces paradisiaques? J'aimerais bien m'installer à l'intérieur pour me reposer un peu, d'accord? Bonne journée, Tekena. Palmer, t'es sérieuse? Vas-tu me laisser planter là-dehors? Wow. Bonne journée, monsieur Tekena. Lloyd. Oh mince. Ah. Docteur T, où allez-vous si précipitamment? Eh bien, il y a cette fille en rose que je n'arrive pas à sortir de ma tête. Oh. Alors je dois la convaincre pour qu'elle accepte mon invitation. C'est pas vrai. T'es un véritable phénomène. Es-tu un seul instant de ta vie arrêté de courir après les filles? Oh, amour du ciel, je ne suis pas gay. Alors laisse-moi faire mon truc, d'accord? D'accord. Je te souhaite d'ailleurs bonne chance. Merci. Il ne s'arrêtera jamais, lui. Salut, ma précieuse. Ton pauvre serviteur a dû attendre aussi une éternité. Toi, c'est une éternité. Apparemment, non n'est pas une réponse pour toi. Bien sûr que non. Je suis désespéré. Délivre-moi de ce tourment, je t'en prie. Tourment? Ce gars est un clown. Vraiment? Ouvre la portière. Alors, tu es un chirurgien plastique? Est-ce que tu es responsable de ton visage? Non. T'inquiète, je plaisante. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en chirurgie plastique, mais les gens ne devraient-ils pas se contenter de leur apparence? Ça fait les gens se sentir mieux. Une personne comme toi, très belle, jeune, je suis certain que tu es timide par mal des personnes. Oh, merci, c'est... gentil, mais ne penses-tu pas que ça semble un peu artificiel? Non, pas chez tout le monde. En particulier mes patients. Il est même difficile en regardant. Certaines personnes identifient s'il s'agit de ça ou pas. Des cas de sujet, il y en a tellement. Alors toi,
Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que je fais? D'après nos échanges depuis la matinée et ta façon de parler, je dirais que t'es une actrice. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis une actrice? Eh bien, devine encore, docteur. Oh, t'es pas une actrice? Mm-mm. Qu'est-ce qu'un visage aussi mignon que le tien pourrait faire dans la vie, si ce n'est se promener dans les environs et jouer un rôle dans un film? Eh bien, je suis esthéticienne. Oh là là, je ne l'ai pas vu venir. Exactement. C'est super. Le repas est délicieux. J'aimerais déposer une pétition. En ce moment même, je me sens comme un homme qui me donne envie de ronfler. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. En fait, je ne l'ai jamais fait auparavant. Genre, coucher au premier rendez-vous. Mince, Palmer. Eh bien, j'ai... Ouais. Filin garçon. Et c'est à ce moment précis que je me lève souvent. Enfile mes vêtements pour ensuite tenir le large. Mais pour des raisons inconnues. J'ai envie de rester. Et le refaire. Eh bien, je dois rentrer à la maison. J'ai pas été déposé. Oh non, c'est bon, je vais prendre un taxi. Non, je compte vraiment te déposer. Sérieusement? Ok. C'est une alliance. Sérieusement? Tu trouves ça drôle? Une alliance? Tu es mariée? Non, c'est pas le mien. Bien sûr que je ne suis pas mariée. Oh, qu'est-ce que je peux être idiote? Ok, oui, je suis mariée. Mais ça ne veut rien dire pour moi, ok? Ce n'est qu'un simple anneau. Ok. D'accord, attends quelques minutes. Ne m'appelle plus jamais. Palmer, de toute Palmer, ta misérable vie. Écoute, calme-toi, s'il te plaît. Palmer, il s'agit de ma... Oh... Adieu. Ah. Il y a un homme qui te regardait. Quel homme? Au restaurant. Et comment tu sais qu'il me regardait? Désolée, maman. Peut-être qu'il t'aime bien. Gina. Dis-moi, tu l'aimeras en retour? Je n'y crois pas. Que connais-tu des histoires d'amour et des hommes? Hein? T'es trop jeune pour aborder de tels sujets. Je suis désolée, maman, mais j'ai besoin d'un père à mes côtés. Laisse-moi te mettre tes boucles. Fiona. Tu peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. Fiona, qui est-il? Tu m'as l'air troublée. Voudrais-tu qu'on en parle? Penses-tu que je commets une grosse erreur en restant célibataire? Non. Tout dépend de ce que tu veux. As-tu besoin d'un homme? Ou tu te sens totalement épanouie sans homme? Moi-même, j'ignore ce que je veux. Mais je sais qu'à un moment dans notre vie, ma fille aura besoin d'un père à ses côtés. Tu parles de Gina? Oui.
Tu sais, Fiona, à chaque moment de notre existence, nous offre l'opportunité de refaire notre vie. Et je pense que ces instants précis font partie de ces moments-là. Mais se plonger à nouveau dans les yeux des hommes aurait été très difficile. Fiona, tu prends vraiment les choses du mauvais côté. Mmh. Honnêtement, je pense que tu devrais sortir de ce style de vie autarcique. Fiona, tu as besoin d'être plus aimable, d'être plus accessible, essayer de faire de nouvelles rencontres. Tu as besoin de te considérer comme une personne complète. Fais-moi confiance. Ah, ce n'est pas facile, oui, pas du tout. Mais je ferai de mon mieux. Ça me donne l'impression d'entamer une aventure sans possibilité de retour. Chérie, tu passes une fois de plus à côté de la plaque. Écoute, c'est naturel d'avoir peur, d'être sceptique. Ces sentiments d'insécurité qui t'envahissent et te quittent, c'est tout à fait naturel. Jusqu'à ce que tu changes ta façon de voir les choses et être vue par les autres. J'y vais essayer. Ce n'est pas facile, mais j'essaierai quand même. D'accord, chérie. Il le faut. D'accord? Tout ira bien. Allez. Merci. Je t'ai toujours dit que cette histoire de faux mariage allait te coûter la peau des fesses un jour. Et pourquoi ne lui dis-tu donc pas la vérité? Laquelle? Que l'alliance était juste un appât pour pêcher des nanas? Elle me voit comme un porc. Mais t'es un porc. Mmh. Un porc sur plusieurs fronts. Ah. Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon dos, c'est l'enfer. Désolée. Je te l'ai toujours dit, tu devrais étirer ta colonne vertébrale, c'est important. Cette affirmation que tu venais tout juste de faire concernait ma personnalité ou ma forme physique. Un instant, s'il te plaît, c'est ma fille. Oui, allô? Que veux-tu? D'accord, pas de problème. Mon sac, celui qui est juste à côté du lit. Jette un coup d'œil à l'intérieur, tu y trouveras quelques sous. Oh oui, tu peux les prendre. Mais écoute, rassure-toi que c'est pour cette raison que tu vas utiliser cet argent. Sinon, tu auras sali à tes trousses à mon retour. Je suis sérieuse, tu l'auras à tes trousses. D'accord, chérie. Bye. Ok. Qui est sali? Oh mon Dieu, t'as pas besoin de savoir ça, non? Ok, si, dis-moi, je t'écoute. Non. Ok, sali. Sali. C'est le nom d'une amie quand on était au collège, Sally Obi. Mais elle était plus némésis pour moi qu'une amie. Une sorte de sœur ennemie alors? Existe-t-il un mot pire que ça? Elle était complètement fausse. Elle adorait la compétition. Elle était tellement bavarde. Sally voulait les meilleures choses pour elle seule. Elle voulait avoir les meilleurs habits, les meilleures copines, les meilleurs... En fait, le meilleur en tout. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse la dépasser. De toute façon, je crains que sa vie ne se soit déroulée comme elle le souhaitait et qu'aujourd'hui, elle roule carrosse. Devine ce qu'elle pensera de moi si elle me voit maintenant. Regarde-moi, 38 années sur le dos avec une fille. Et alors? Et puis quoi? Bref, retournons à mon histoire. J'ai donc raconté l'histoire de Sally à ma fille et nous utilisons son nom dans des contextes un peu drôles, tu vois. Mais ne prête pas attention à ma fille et moi, ça ne nous ressemble pas du tout. Je pense que j'adopterai moi aussi ce nom. Eh bien, de toutes les façons, concernant cette nouvelle conquête, que dois-je faire? Parce que je pense que cette fille me plaît. Vraiment? Ouais. Waouh, ça fait du bien de l'entendre. Alors, dis-lui la vérité. Tu vois, t'es indécis. Oh, Sally. Oh mon Dieu. Palmer. Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir. Je ne t'ai plus appelé, comme tu me l'as demandé. Tu me poursuis. Non, je ne l'ai pas fait. Palmer.
Je ne serai jamais avec un homme marié, d'accord? Mon père avait trompé ma mère et je m'étais juré de ne jamais être l'autre femme. Jamais. Ok. Oui, je suis marié, mais pas marié comme tu le crois. Je veux dire que c'est un mariage sans lendemain. C'est ce qu'ils disent tous. Si tel est le cas, pourquoi ne pas divorcer? Je le suis. Quoi? Oui, je le suis, mais elle refuse de l'accepter. Oh mon Dieu, j'ai ruiné le mariage d'autrui. Je vais devenir non, malade. Non, ce n'est pas de ta faute, d'accord? Cela fait maintenant 2 mois que je me bats et même avant toi, c'était un bordel tout fait. Ok, et à vrai dire, tout cela sera terminé très bientôt. Et ce sera comme ça n'avait jamais existé. Tu ne penses pas que c'est vraiment dur ce que tu dis? Non, pas vraiment. C'est quoi son nom? Son nom est Sally. Son nom c'est Sally? Oui, Sally. Sally a été... J'ai découvert qu'elle me trompait depuis plusieurs années avec un autre type et elle a fini par partir avec lui. Waouh. Il y a un autre homme? Ouais. Kendrick. Tu écoutes. Les hommes promettent toujours de quitter leur femme mais ne le font jamais. Crois-moi s'il te plaît, je suis en train de le faire. J'ai fait un mauvais et un horrible mariage. Une très grosse erreur. Aujourd'hui, j'ai pu vaincre mon alcoolisme et mon addiction au porno. Et nous pouvons faire tout ce que nous voulons sans pratiquer l'adultère ou la pornographie. Profitez seulement de nous deux. Tu en es sûr? Oui, je te le promets. D'accord. Mais j'ai besoin de l'entendre de sa bouche. La tête ou quoi, Tekena? D'où est-ce que tu surgis avec une proposition aussi bizarre? Je sais une chose, c'est que tout ce qui se rapporte à des espoirs fabriqués recevra un grand non de ma part. Au point de parler de moi comme une femme divorcée? Ça, jamais! Allons, Fiona. J'aime cette fille, d'accord? Et j'aimerais maintenir le contact avec elle. Je veux juste que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Au détriment de mon propre confort? Attends, mais ça, c'est le sommet de l'égoïsme. Fiona, je suis ton patron, d'accord? Un peu de respect. En plus, c'est toi qui m'as encouragé à aller vers elle. Bien sûr, parce que j'ai essayé de t'aider à t'échapper de l'impasse que t'as créée avec ton alliance de merde. Je ne lui ai jamais menti à propos de l'alliance. J'ai simplement donné une explication probable à cela. C'est toi qui introduis des mensonges dans notre relation. Tu m'étonnes. Eh bien, pourquoi lui as-tu dit que le nom de ta femme est Sally? J'ai perdu mon sang-froid. Tu vois, t'inventes une nouvelle femme à chaque instant de ta vie. Je sais. Ok? Celle-ci, c'est spécial, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Et j'aimerais bien évoluer dans ma vie amoureuse maintenant. Voici ma chance, et j'aimerais la saisir. J'ai même du mal à concevoir que nous entretenions cette conversation. Pourquoi abordons-nous ce sujet? Comment ai-je fait pour me retrouver dans une histoire pareille? Oh mon Dieu. Non, c'est impossible. Fiona, calme-toi. Non, s'il te plaît, ne l'imaginez Fiona... pas un seul instant. Mec, c'est quoi cette histoire? Pourquoi veux-tu me mettre les bâtons dans les roues? Alors comme ça, tu me dis que de toutes les filles qu'il y a dans cette vie, c'est seulement Fiona que tu as vue? Ah, dis-moi, t'es un sorcier ou quoi? As-tu été envoyé à travers de mon chemin pour bloquer toutes les grâces qui m'ont été données? Mec, arrête tes salades, s'il te plaît. Écoute, Fiona est la personne la plus adéquate pour le boulot. Ok? Elle me comprend et elle sait ce qui se passe. D'accord, mec. Écoute, tu sais combien j'ai bataillé dur pour me rapprocher de cette meuf. Et voilà que tu te pointes avec tes distractions diaboliques. Dis-moi, mec. Penses-tu que Fiona pourra m'aimer un jour? Ah. Ok, laisse-moi consulter Cupidon. Cupidon, m'entends-tu? Mon ami ici présent aimerait savoir si Fiona
L'aimera un jour. Baisse-toi. Que voudrais-tu que je fasse? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi ce que je dois faire. Pourquoi tu fais ça? Elle lui demander. Elle est tout juste à côté, hein. Je suis son patron. Voilà pourquoi je te déteste. Je me déteste et moi plus encore. Fiona, attends. Attends, Fiona. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Voyons. De faire. Tu ne comprends rien. Mais voyons, chérie. Il n'y a rien de compliqué dans cette affaire. Pourquoi est-ce que tu voudrais en faire tout un plat là où il ne le faut pas? Pourquoi? Parce que tu ne comprends rien, pas vrai? Si je suis sûre d'une chose et certaine, c'est que moi, Fiona, je vais tout foutre en l'air, sans doute. Pourquoi? Ne regardes-tu pas les Nollywood movies? Relax, c'est juste un scénario de quelques jours. Tu te mets dans la peau du personnage. Et crois-moi, tu vas assurer. Et tu penses que c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que 1 plus 1 égale à 2. Voyons! Pourquoi te comportes-tu comme si le docteur Tekena te demandait d'aller en mission suicide? T'as un bon petit pacte pour greffer la tâche. Cela devrait au moins te motiver. Est-ce que je lui dois pour me lancer dans une telle aventure? Fiona, à quoi servent les amis? Des amis fidèles. T'as jamais entendu parler? Oh, oh mon Dieu. Voilà une tâche difficile. Vraiment difficile. Je ne peux pas. Quand j'y pense, que se passerait-il si ces deux se mettent définitivement ensemble? Et qu'un beau jour, elle vient dans son bureau et découvre que... Oh, que t'es juste son assistante. Voilà exactement de quoi je parlais. Là, tu comprends mieux. Combien de temps allons-nous vivre dans ce mensonge qui s'annonce? Combien de temps? Maintenant, tu vois exactement l'objet de mes craintes. T'inquiète, nous trouverons une solution, ce n'est pas compliqué. C'est toujours ce que tu dis, Aîné. Rien n'est compliqué pour toi. Tu le dis à chaque fois. Ce problème est sérieux. Tu respectes les consignes, d'accord? Nouvelle coiffure, tombante, maquillage, parfait. Souviens-toi, comme la forme d'un plasticien. D'accord? Dépense de façon raisonnable. Tu as l'air totalement transformé. Bien. Merci. Je n'avais jamais constaté que tu avais un postérieur si important. Bien sûr que j'en ai. Et ils ont toujours été là. Est-ce que je peux... Hey, ne me touche pas. Chérie, c'est quoi tous ces artifices? T'es sûre que je pourrais faire cette histoire? Je ne suis même pas à l'aise dans cette tenue. Fiona, tu peux le faire. Pourquoi tu veux abandonner à la dernière minute? Hein? T'as pas besoin d'un cours d'art de spectacle pour cette tâche. Les films que tu as regardés à la télé sont suffisants. Mais tu sais très bien que je ne regarde pas la télévision. J'ai pas le temps pour ce genre de truc. Fiona, tu sais à quoi servent au moins les films, n'est-ce pas? Si tu peux facilement simuler que t'as pas besoin d'un homme dans ta vie, alors ce sera facile pour toi d'être salée. J'ai pas besoin d'aucun homme. Chérie, je ne suis pas d'humeur à me disputer avec toi. Entre tout simplement là-dedans et sauve la peau des fesses de ton ami. Tu piges? Tu peux le faire. Dis-toi simplement que tu es...
Ogokoye, voilà. Ok, ok, ok. Peux-tu m'encourager ou me souhaiter bonne chance? Tu me rends encore plus nerveuse. Madame, avance. Je suis perché si haut que j'ai même de la peine à marcher. Comment vais-je y parvenir? Voilà, cette chevelure me gêne et j'ai même du mal à ressentir mon visage. Doucement, doucement, doucement. Aîné. Allez, meuf. Ouh, ouh. T'es sexy, tu sais. Tu as l'air nerveux, Ti. Je sais. Tout ça est tellement bizarre pour moi. Je suis embarrassée. Je suis désolée de te pousser à faire ceci. T'inquiète pas. J'aimerais juste mettre un terme à cet épisode de ma vie, tu sais. Question qu'on puisse progresser ensemble. Nous le ferons. Bois un coup. Bonsoir, comment allez-vous? Vous êtes magnifique. Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr. Merci. Je suis Sally Lloyd, bientôt Madame Sally Johnson. Bonsoir Sally, je m'appelle Palmer. Oh, oh mon Dieu. Il fait tellement chaud ici à l'intérieur, c'est moi ou ce sont ces appareils qui ne fonctionnent pas. Que se passe-t-il réellement? Palmer, alors j'ai appris que Tekene et toi avaient fait l'amour. Oui, non, oui, oui, mais je suis tellement désolée. J'ignorais que vous étiez toujours mariée. Si je l'avais su, je n'aurais jamais fait ça. Je suis non, tellement désolée. Ça va, ça va. C'est toujours un plaisir de savoir que son jojo fonctionne encore. Oui, qu'il réagit. Alors, dis-moi, Palmer, comment comptes-tu gérer ces TE? TE? C'est quoi TE? Oh, désolée, j'avais oublié que t'étais encore une enfant. Ça veut dire trouble érectile. Trouble érectile? Non, bébé, ne prête surtout pas attention à ces propos, d'accord? Ne prends surtout pas en garde. C'était un pur hasard que mon engin entre en érection en face de ton putain de cul. Palmer, redevenons sérieux. Je sais que ça n'a peut-être pas fonctionné entre Tekena et moi, mais c'est un homme doux et très attentionné. C'est un homme adorable et à vrai dire, c'est une chance que tu puisses l'avoir. Alors, je vous donne ma bénédiction et je suis contente pour vous deux. Oh mon Dieu, merci infiniment. Sally, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi. J'ai dit à Tic que je ne serais pas à ses côtés tant que je ne vous aurais pas rencontré. C'est bon, c'est bon. Il y a très longtemps que j'ai tourné la page. Je suis passée à autre chose. Je suis maintenant avec un homme nommé Kendrick. Lamar? Oui. Oh non, 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 non. Kendrick Johnson. Oui, Kendrick Johnson. C'est un homme vraiment beau et surtout très sexy. Il distille la joie de vivre, oui. C'est une nique normale. Très heureuse. Ça se voit.
Je vais devoir prendre congé de vous. Oh. Palmer, c'était un plaisir de te rencontrer. Le plaisir a été partagé, Palmer. Prends soin de toi. Merci d'être venu. Prenez soin de vous. Ah. Oups, ah. Mon téléphone sonne. Je me sens mieux maintenant. On y va. Allô? Oui, c'est ça. Passe-lui le téléphone! J'ai dit passe le téléphone à ma fille! Oui, combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir à la maison jouer quand je suis pas à la maison? Combien de fois? Et vous avez un enfant? En quelque sorte. Qu'entends-tu par en quelque sorte? Eh bien, je vais te le dire. J'étais censé te le dire, mais t'as vu la façon dont Sally avait commencé à me tromper sous prétexte que mon engin ne fonctionnait pas. Tu pouvais savoir que l'enfant était vraiment de moi. Mais est-ce que tu l'as élevé? Oui. Et tu comptais me le dire quand? S'il te plaît, à cette minute, on peut parler un peu. Je ne peux pas te parler tout de suite. Allez, bébé, comment pourrais-je te dire alors qu'elle est passée avant qu'on en parle? Oh mon Dieu, j'ai merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, stupide coup de fil. Maintenant, je dois trouver un moyen pour faire intervenir ma fille dans le scénario. Je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas le faire. Fiona, tu es tellement stressée. Calme-toi. Aînée, non seulement je viens de jouer le rôle d'une vilaine Sally dans un sale et foutu rendez-vous galant à cause d'une personne imprudente, maintenant il faut que j'implique ma fille dans l'intrigue. Écoute, je ne me sens plus du tout à l'aise dans cette histoire. Plus du tout. Eh bien, ma chérie, ce n'est pas terminé jusqu'à ce que ça le soit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vu la tournure qu'ont pris les événements, tu as toujours besoin de jouer la chérie. Donc vas-y jusqu'au bout, ma chère. Écoute, j'aurais jamais dû accepter cette histoire depuis le début. J'aurais jamais dû accepter. Ça me cale déjà au cou, tu ne vois pas? Et c'est de ta faute. Peux-tu arrêter, Fiona? Arrête ça. Écoute, ce mec aime cette fille. Le moins ce que tu puisses faire en tant qu'ami, c'est de l'accompagner dans cette aventure. Souviens-toi qu'il n'a commis aucune erreur. Mets-toi ici. Écoute, tu dois tenir le coup. N'oublie pas. Pense au fric. Non. Je veux même plus de cet argent. J'en veux plus du tout. Tout ce stress est plus fort que de l'argent. Écoute, j'en ai ras-le-bol. Je suis fatiguée de mémoriser indéfiniment différents noms à chaque nouvelle occasion. Mettre des artifices, porter des talons, du maquillage, la poudre, surveiller la chevelure. J'en ai marre. Non, j'en peux plus. Je suis pas une actrice, je te l'ai dit. Je me demande de faire comme au goût. Fiona, tout le monde peut jouer un rôle. Arrête-moi ces conneries. Eh mais écoute, ces chaussures torturent mes chevilles. Je dois les retirer. Allons-y. S'il te plaît, ne compte pas sur moi sur ce coup. De grâce. Palmer, chérie, écoute, je suis désolé, d'accord? Je n'avais pas envie de te le dire, en fait. C'est juste que je n'avais pas envie de te faire peur. Tout est allé si vite et... Mais crois-moi, je ne voulais vraiment pas te le cacher. J'espère que tu n'es pas déçu. Non, au contraire. Vraiment? J'adore les enfants. Je ne savais pas que tu avais un enfant, monsieur. Écoute... La paternité est l'une des choses les plus merveilleuses. C'est quoi son nom? Vera, Vera. Oh, j'adorerais la rencontrer. Tu sais, apprendre à la connaître, savoir ce qu'elle pense du fait d'avoir une nouvelle maman. Qu'est-ce que tu penses d'un week-end de relaxation? Elle, toi, moi, Sally peut se joindre à nous si elle veut. Apprendre à mieux se connaître. En fait, c'est mon vœu, c'est ce que je désire. Un week-end de relaxation? Tu ne peux pas exaucer mon vœu? Bien sûr que si, je t'ai suivi, bébé. Merci, chérie.
Ma fille? Attendez, t'es devenu complètement fou ou quoi? Tu me crées dessus maintenant? Ne pouvais-tu pas simplement vérifier 5 minutes plus tôt? En plus, t'as laissé ton téléphone allumé. Oh, s'il te plaît, ne me réprimande pas. Ce n'était pas de ma faute. Écoute, Fiona. Ce que je te demande, c'est juste quelques jours, d'accord? Ça sera comme si elle se trouvait dans une atmosphère de films réels. Tourner des films n'est pas du tout intéressant. Surtout pas ma fille. Ma fille n'ira aucun week-end de relaxation juste pour jouer un rôle stupide dans une pièce dont les faits vont bientôt te rattraper. Réfléchis-y, réfléchis. Nous devons le faire. Ta fille est déjà d'accord et... Quoi? En passant, son paquet est prêt. Quoi? Attends une minute. Es-tu en train d'essayer de corrompre ou... Ok, ne vais-je plus te dire tu veux utiliser ma fille en échange d'argent et de cadeaux? Allons, Fiona, ne vois pas les choses comme ça. Fiona, écoute, ok? Je suis ton boss et tu es ma confidente. Si tu ne peux pas le faire pour moi, qu'il fera? Donc, tu me demandes d'impliquer ma fille dans cette aventure rocambolesque, foireuse et truffée de tous les mensonges? Ah non, ce n'est pas cool ça. C'est impossible. J'arrive pas à croire que tu organises tout ceci juste pour te faire voir. T'es un personnage tellement pathétique. Je ne le fais pas juste pour me faire voir. Je suis cette fille, ok? Je ressens vraiment quelque chose pour elle. Je suis fou d'elle. Elle est amusante, intelligente, originale. Et le sens de l'humour. Je l'aime sincèrement. D'où vient cette odeur? Quoi? T'es-tu parfumée? Peut-être. Mais tu ne te parfumes pas d'habitude. Peut-être, je le ferai désormais. T'as un rendez-vous gala? Non. C'est pas un rendez-vous, juste un dîner. Avec un homme? Oui, l'ami d'un ami. Docteur V, le directeur. Excuse-moi. Salut. Puis-je le parler? Chut. Allô? Oh oui, oh oui, nous discutons encore. Je vous retrouve sur place dans quelques minutes. Nous avons presque terminé. D'accord, à tout à l'heure. Tout ça commence à être intéressant, Fiona. Pardon. Sally. Non, mais franchement. Waouh! Un week-end de relaxation juste pour convaincre une fille? Tu sais, je commence vraiment à apprécier ce docteur T. Son courage me fascine. Aînée, peux-tu arrêter de faire la clown et devenir sérieuse un instant? De toutes les façons, cher week-end de relaxation, j'arrive! Tu arrives? Fiona, je t'en prie, arrête. L'amour se le partage au. Tu connais mon activité, petite activité de massage. J'ai tellement eu de mal à la mettre sur pied. Et quel est le rapport avec le problème qui se pose? Fiona, écoute, j'ai tellement l'idée de dresser ma table de massage dans cet hôtel. Et je suis certaine de faire la rencontre des gens qui pourront me parrainer. Des grands hommes, des grandes femmes, des mamans stylées, des papas de l'amour. Elle tu vois? Ce que je vais te dire tout de suite, c'est que toi, ton activité, ta table de massage, elle est restée dans votre coin. Ne débarque pas là-bas pour tout gâcher ou alors te mettre à demander ce qui se passe. Parce que j'en suis à bout de ce spectacle merdique dans lequel je suis impliquée. Faut que pas rajouter, s'il te plaît. Relax, d'accord? Te découpons en deux. T'en fais pas, je viendrai foutre aucun bordel. Juste me décompresser. Je suis sûre que je vais rencontrer mon mari là-bas. Un très bon mari. Bah, c'est faux mari. Je ne t'en veux pas.
Cette étape sera une fois de plus éprouvante. Non, cette étape sera sans anicroche. Ok? On peut que le truc. Mais de façon meilleure. Quant à toi, ton nom est désormais Vera. Pas Gina. Vera. Compris. Ok. Très bien. Sally, merci d'avoir accepté d'emmener ta jolie princesse pour ce week-end. J'en suis flattée. Je t'en prie, Palmer. Maintenant, permets-moi de te présenter ma fille. La prunelle de mes yeux. Ma jolie princesse, Vera. Salut, Vera. Bonjour, Tata Pamela. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et mon père a dit que tu le rendais heureux. Oh, vraiment? Oh, merci. Elle est adorable. Ouais, elle est. Ma princesse. Merci, chérie. C'est un plaisir de te rencontrer. Nom de chien, que fais-tu ici? Pardon, pardon, colle-moi la paix. Cesse de crier. C'est le moi. Pourquoi tu réagis comme si t'avais un fantôme? Ne t'avais-je pas dit que je viendrais? Eh non, pour l'amour du ciel, tu devrais te comporter avec égard ici. C'est une étape très sensible. Pas de toi, oh. Ce n'est pas toi qui dois tenir un tel discours dont je suis un intrus. Ok. Sans souci, sans souci. Je comprends absolument tout. Je serai une actrice de l'ombre. Oh, très bien. Mon week-end, je n'ai pas encore vu quelqu'un à qui je dois faire des massages. Tu vois cette valise? Elle contient mon huile de massage. Je suis venue avec mon huile d'avocat, mon huile d'amande et mon huile... Aînée, pour l'amour du ciel, ce lieu n'est pas un dormitorium. Ah, désolée, te fâche pas, madame. Hey. Alors, je lui ai dit que je ne pouvais pas me remettre avec lui. Mais elle était là du genre, non. C'était vraiment incroyable. Vera, chérie, est-ce que tu vas bien? Vera? Vera? Oui. Tu vas bien, chérie? Tu es toute calme. Non, c'est rien. Tu en es sûre? Je dirais que je suis un peu déçue. Déçue à propos de quoi? Pourquoi? Mon père, il m'avait promis de m'emmener en voyage dans un grand hôtel au Ghana et que nous allions nager ensemble, mais il a tout annulé. Il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il t'a rencontré. Ah. Non, non, je n'étais pas... Bien sûr que je vais l'y amener, mais... Tu as entendu, chérie? Papa va t'emmener en voyage, d'accord? Tu vas arranger ça, n'est-ce pas? Bien sûr que ça va s'arranger. Oh, bois ton jus. Et voilà. Tout va bien. Thank you.
J'ai du mal à croire que je viens d'être noirci par la petite. Tu ne devrais pas t'en prendre à elle. Enfin, je pense qu'elle a juste saisi une opportunité qui s'est offerte à elle. Les vacances dans un hôtel au Ghana, cette histoire va me coûter une fortune. Ce séjour me coûte déjà assez cher. Évitons vraiment d'augmenter les dégâts. Tout ce cinéma à lui seul est déjà insupportable et désastreux. Tu sais quoi? Mon seuil de tolérance pour cette super chérie de merde est déjà à ce niveau. Est-ce que je venais t'entendre dire super chérie? Oui, je l'ai fait. Et si ça continue, il grimpera ici. Alors je rangerai mes effets et j'emporterai avec moi ma causeuse de dégâts. J'espère que t'as saisi. Je t'ai compris, d'accord, je t'ai compris. Attention, Lisa. Salut. Salut. Salut, chérie. Salut, ma puce. Je suis tellement heureuse qu'on fasse ceci. Ouais, ça me réjouit également que toi et moi nous nous amusions un peu. Bonsoir, chérie. Oh. Je n'ai même pas senti de te retrouver. Les gars, alors, je me suis efforcé d'honorer à votre proposition intéressante. C'est génial. Quelle proposition? La proposition d'être avec vous et votre précieuse. Oh, désolé, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Kendrick. Oh, salut Kendrick. Salut, ma Justine. Oh, salut. J'ai bien de recevoir un boulet. Oh, désolé, désolé. Je veux dire que j'ai reçu un boulet de ne pas avoir présenté mon amoureux. Oh, d'accord. Salut Kendrick, je suis Palmer. Sally nous a dit que vous ne pouviez pas venir parce que vous aviez ouais, du travail. Mais comme vous le savez, je ne peux pas rester plus longtemps loin de moi. Très cher. Tu sais que je t'aime tellement. pouvez-vous nous accorder une minute? Oh, bien sûr. Nous serons très vite de retour. Oh, il est drôle. C'est sa nature. Il est blagué. Oh, wow. Alors, on va à l'étage? Tu sais... T'es sexy, je t'assure. C'était quoi ça? Nom de chien, tu fous quoi ici? J'essaie de sauver le soldat Ryan. Comment? Oh. Oh, oh. En passant, t'es toute métamorphosée. De quelle manière? Plus sexy que d'habitude. Écoute, généralement, tu es d'apparence plus simple et fatiguée, avec un air embêté. Tu sais quoi? Tu vas rentrer là-dedans et tu leur diras que t'as avalé quelque chose d'horrible au petit déjeuner. Et qu'à présent, ton ventre te crée des misères. Et tu dois libérer le plancher tout de suite. Allez, on y va. Mais attends, c'est impossible. Disons plutôt que j'ai envoyé par inadvertance une image de mon manger à ma copine de circonstance. Et j'avais oublié qu'elle mariait un videur. Bon, si c'est, il me faut encore clignoter un peu plus de temps. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Disparais simplement. Va-t'en. Oh merde. Putain, va-t'en. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, arrête. C'est vous montrer impoli, hein. Attends, figure-toi que... Attends, Fiona. Oui. Je me souviens de ce mec. Quel garçon? Peux-tu me rappeler son nom? C'était Kojay, c'est ça? Qu'a-t-il fait? Oui. C'est le même garçon que j'avais vu devant ton portail.
tenant un immense bouquet. Oh mon Dieu, il s'exerçait à réciter un poème. Tu sais, quand un mec s'entraîne à séduire une femme. Oui, c'est lui. C'est le même garçon que j'avais vu. Attends. T'es sérieuse? Oui. C'est quoi, chérie? Je prie juste que ce faux scénario se termine, enfin. Pour que vous puissiez enfin vous rencontrer normalement et disputer tous les deux. Que Dieu m'en préserve. De qui Dieu doit-il te préserver, moi? Toi? Ou ton faux mari? Eh bien, ma chère amie, ce garçon n'est pas laid du tout. Je l'apprécie pas du tout. Eh bien, moi... J'aimerais bien que tu me fasses une passe. Moi, je l'ai dans mon viseur et... Il m'intéresse bien. Aîné, je te le donne tout entier. Tu peux l'avoir toute seule et en faire ce que tu voudras. Il ne m'intéresse pas et puis il est tellement ennuyeux. Pourquoi? Tu ne dis rien d'autre depuis, j'ai envie de savoir. Approche que je te dise. Allez! Tu vois, arrête de crier. Jésus! Que Dieu m'en garde. Franchement, cet endroit est tellement fabuleux. Écoute, j'ai tellement hâte de déclarer ma flamme à Fiona sur ce lit. Écoute, mon frère, ne sois pas si excité, hein. Parce que tu ne l'as même pas encore poussé. Écoute, il s'agit de mise en scène. Alors, je t'en rôle. Et alors, vous êtes en venir? Écoute, mec, j'ai cette conviction au fond de moi qu'elle va m'accepter. Tombeur. Tu peux parler avec si tu veux. C'est à moi que je ressens. Il va se matérialiser dans ce lit. Dans tous les cas, je te souhaite bonne chance. Merci. Mais, juste un petit conseil. Tu tiens tes dents. Alors, protège-les. Parce que cette fille est très forte. Tu vois que tu l'as provoquée. Cette fille, je sais de quoi je parle, alors reste sur tes gardes. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois jouer un rôle crucial ce week-end, Kogé. Pardon, Kendrick. Tu tomberas amoureux de Sally ce week-end. Écoute, en passant, lorsque Palmer n'est pas là, ne m'appelle pas Kendrick. Mais plutôt Koji. Ce nom de Kendrick que je dois porter est un peu trop bizarre pour moi. Écoute, le genre d'amour dont il est question ici est celui qui respecte la distanciation sociale. T'as maintenant pas de jouer ton rôle? Tout ça a été mis en place grâce à toi. Et nous nous éloignons pas du sujet, d'accord? Votre rôle principal est de faire croire à Palmer que tous les deux vous vous sentez heureux. Et de lui montrer à quel point je suis un bon père. C'est tout. Si jamais cette espièglerie se passe à merveille et que Palmer et toi finissiez par vous remettre ensemble, comment allez-vous expliquer aux enfants ce qui se passe? Pas d'inquiétude, nous allons régler tout ça, ok? Non. Propose une autre solution tout de suite, parce que je ne serai pas prête à jouer un autre rôle à l'avenir. Écoutez, à franchement parler, cela est nécessaire? Puisque nous savons tous que, d'ici la semaine prochaine, tu vas te lasser de Palmer, la déposer au coin de la rue et te mettre à la conquête d'une nouvelle proie à dévorer. Écoute-moi très bien. J'ai menti à propos de mon épouse fictive durant les 3 ou 4 dernières années. Dans l'espoir de trouver un jour la véritable. Et j'ai vraiment l'impression que Palmer pourrait être la bonne. Je vois. Espérons qu'elle soit la bonne. Espérons-le vraiment. Parce que je suis fatiguée de cette vie d'hypocrisie, du maquillage, des longues greffes, des longues boucles, chaque jour. Oh, j'en ai marre de tout ça. Vous regrouperez cela. Alors, nous sommes ici pour apprendre à mieux se connaître. Kendrick, que faites-vous dans la vie? Je suis un homme d'affaires. En effet, je vends des voitures. Vous avez un magasin de voitures? Oui. Ah, oh mon Dieu! Et comment est-ce que vous avez rencontré Sally? À l'église. Nous nous sommes rencontrés à l'église. Oui, c'est là-bas que j'ai rencontré cette merveilleuse femme. À l'église. Elle m'a tout enseigné. Y compris le sexe. Mon amour, j'ai véritablement adoré ton cul, tu sais. Oui. Oui. Nous menons une vie de sexe épanouie, oui. Tout à fait incroyable. Oui. Tekena, peux-tu m'accompagner, s'il te plaît? Je voudrais qu'on aille acheter quelques gâteaux à notre petite fille, ce qu'elle adore. On lui doit bien ça. Sans souci, je viens avec toi. Chérie, je reviens tout de suite.
Écoute. Écoute, je ne peux plus supporter cette affaire, j'en ai marre. Franchement, ça en est de trop là, je m'en vais. Quoi? Non, surtout pas ça. Écoute, je vais parler avec lui, mais nous ne pouvons pas partir, non. Il devient insupportable. Je sais que c'est un idiot, tout à fait, mais fais juste un petit effort, s'il te plaît. Non, j'en peux plus, je suis désolée, je veux juste foutre le camp. J'en peux plus vraiment, Ti. Et j'ai beau forcer, hey, mais... Hé, Tiona! Tiona Douglas! Oh mon Dieu! Non, Sally... Sally, laquelle? Sally, dont j'ai volé le nom. Ma copine à l'université. Oh! Que fait-elle ici? J'en sais rien! Oh mon Dieu! Oh, je suis heureuse de te revoir! Sally! Fiona, je n'arrive pas à croire que je te rencontre dans ce genre de quartier. Mais attends, tu ne visites pas souvent ce genre d'endroit. De toute façon, j'aimerais te présenter mon mari. Mon mari, Albert Lomondé. Salut. Élégant, intelligent, belle dentition et excellente chevelure. Voici Fiona, Fiona, ma camarade de la fac. Ravie de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. D'accord. Ouais, Fiona, tu t'es bien nettoyée et puis tu as refait ta dentition. Merci. Ton apparence est tout aussi similaire. Mais tu sais que c'est un crime d'aller hors de l'Écosse et de te rencontrer ici. Pure coïncidence. Comment nous nous sommes même perdus de vue? Ça demeure un mystère. Ouais, je sais. Bien, permets-moi de te dire où j'en suis pour le moment. J'ai lancé un site internet dont l'adresse est inabeauty.com. Je fais dans les produits de cheveux et les produits de maquillage. Je suis arrivée au niveau où je veux lancer mes ventes. Il ne reste plus qu'à décider quelle offre accepter et quelle offre rejeter. Je suis tellement contente pour toi. Ouais, mais... Nous n'avons pas encore d'enfants et nous vivons fabuleusement notre vie de couple. Eh bien, nous espérons créer quelques vies d'ici peu. Wow. Une vie de rêve? Ouais, bien sûr. Je suis si excitée pour vous deux. Oh ouais, devine quoi? J'ai revu Amaka le mois dernier, malheureusement. Elle a un enfant, elle s'est mariée, puis elle a divorcé. Bien, j'ai toujours su qu'elle ne réussirait pas. Mais t'es mariée? Hey bébé! Chérie! Tu m'as délaissé. Je commençais à être jaloux. Qui sont ces gens avec qui tu discutes? Oh, désolé, bébé. Je suis vraiment désolée, chérie. Voilà, je te présente Sally, ma copine de la fac. Sally, voici mon mari. Tekena Lloyd. Comment allez-vous? C'est un plasticien. Oh, ravi de te rencontrer. Alors, nous devons retourner auprès de notre fille. Oh, vous... Oui, oui, nous n'avons oui. pas hésité à ouvrir cette fameuse porte. Et devine quoi? Un autre est en chemin. Oh, ah, je suis heureuse pour toi. Fiona, ce serait bien si on organisait un dîner, juste nous quatre. Hein? Qu'est-ce que tu un penses? Un dîner? Oh, très bonne idée. Si jamais on réussit à quitter notre île. Fiona Douglas, mais regarde-toi. Attention, ce n'est plus Fiona Douglas, c'est maintenant Fiona Lloyd. Oh yeah. Oui, Madame Lloyd. Méfie-toi. Méfie-toi aussi. On se revoit au dîner. Ouais, ok. À tout à l'heure. Merci. Okay. Tu sais, Té, je voudrais juste te remercier d'avoir volé à mon secours tout à l'heure. À quoi servent les amis? Je le sais désormais. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors, je... Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je ne me suis pas introduite. Je m'appelle... Je t'en prie, laisse tomber tes civilités, il va droit au but de son TGBRC. Ah, mon Dieu. Pourquoi tu agis comme si on ne se connaissait pas? De toute façon, je suis la fille que tu as rencontrée devant le portail, Fioma. Je revois la façon dont tu tenais ton bouquet de fleurs magiques. Certainement pour mon ami. Désolé, je me souviens de rien.
Écoute, je sais que t'es fou amoureux de ma copine, mais... Mais quoi? Écoute, s'il te plaît, si tu n'as rien de bon à me dire, j'ai des problèmes plus importants à gérer. N'importe quoi. Sally, tu es sûre de ne pas vouloir me rejoindre? En fait, c'est tout chaud ici dedans. Vraiment? Oui, viens là, viens. Allez! D'accord, et j'arrive. Non. Ok, je... Oh. Ouais. Mon Dieu, c'est tellement chaud. Ah, t'as fait raison. Viens nous rejoindre. Aîné, t'es sûre de ne pas vouloir nous rejoindre? Non, non. C'est vraiment façon. Chaud. Oh mon Dieu. Chérie. Oui. Viens là. Oh. Non, chérie, l'eau est très froide. Pas du tout, c'est tout chaud. Non, chérie, continuez juste de vous amuser. Bébé, ne sois pas une poule mouillée. Viens là. Peu importe. Sally, ouais, laisse-moi te montrer certains mouvements. Je sais. Eh bien, tout est comme ça. Comme ça. Et tu oh essaies de battre des jambes. Oh mon Dieu, c'est vraiment amusant. Attends, je vais reprendre ça. D'accord. Alors, attends. Ok. Comme ça. Mets-toi à plat. Oh mon Dieu. Sally et Kendrick, nous avons décidé que vous devriez passer du temps ensemble. Ne vous en faites pas pour l'enfant, on s'occupe d'elle. Donc c'est sans souci. En réalité, Sally que tu vois aime bien se coucher près de notre fille. Oui, c'est vrai, j'adore le faire. Mais là, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Oh, arrêtez ça. Désolée, j'ai un appel. D'accord, chérie. Kendrick? Oui. J'espère que ça ne te dérange pas de passer un peu plus de temps avec ta chérie. Oh non, pas vraiment. Ok, alors, voici ce qu'on va faire. Vous allez prendre... Oh mon Dieu, Sally! Tu m'as fait sursauter. Vraiment? Bien sûr. Mais tu sursautes aussi facilement. Viens, je pensais que c'était un signe de la ménopause. Sally? Ouais. Oui, Sally. Sally, voilà, je te présente mon amie, Palmar ouais. Odo. Une très grande amie. Palmar, je te présente Sally. Mon amie de la fac. C'est une femme mariée maintenant, donc elle s'appelle Sally Olomide. Comme moi, là. Oh, waouh, quelle coïncidence. Alors, ravie de te rencontrer, Pama. Le plaisir est partagé, Sally. Alors, il s'agit là de ton mari? Oh! En fait, je suis la plus. Oui, en effet, du plus bel homme de l'univers. Effectivement. Palma, chérie, viens, s'il te plaît, que je te suis sûre de jolies paroles. Viens, 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 oh, viens, chérie. D'accord. Madame, veuillez nous excuser un instant, s'il vous plaît. Sally, je reviens tout de suite. Ça se voit que c'est tout trop, c'est beau. Ils sont beaux ensemble. Si, notre dîner tient toujours, n'est-ce pas? Toi, ton mari, moi et le mien. Ce soir? Je t'assure, c'est parfait. Vous viendrez à ce dîner, n'est-ce pas? Oui. Jardin des oiseaux. Oui. Oui, oui, un dîner dans le jardin du bar ce soir. Oui, nous viendrons. Oh oui. Sally. Pourquoi tu as dit oui? Moi, ne me lâche pas. Chérie. Oui. Viens me rejoindre. J'arrive, mon amour. Continue de te doucher, j'arrive. D'accord. Comment peux-tu me mettre devant faire accompli? Je dois passer de bons moments, c'est destin avec Palmer. Comment voudrais-tu que je me retire de cette affaire, dis-moi? Tout ce que je te demande, c'est juste un dîner. Juste un dîner pour ne pas perdre la face devant cette horrible femme. D'accord, quelle histoire dois-je lui sortir maintenant? N'importe quoi. Juste, dis quelque chose. T'es suffisamment doué pour créer des histoires. Raconte-lui ce que tu veux, t'es. Oh.
Délicieux. Écoute, Yona, je suis très contente que nous ayons ce dîner. Observons-nous un peu. Nous sommes mariés et heureuses. Tout ce dont nous avons toujours rêvé, n'est-ce pas? Ah oui. Très intéressant. Alors, Tekena, tu fais de la chirurgie plastique, n'est-ce pas? Oui. Combien est-ce que cela convient à Fiona ici? Sur Fiona, c'est une blague. La nature a déjà donné tout ce dont elle a besoin. Je la trouve belle. Ah, c'est bien. Vos anneaux, pourquoi vous ne les portez pas? En fait, Tekena n'y trouve aucune nécessité, oui. Il dit qu'il préfère me prouver son amour plutôt que de le réduire en bijoux. Exactement. Intéressant. Très intéressant. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu apprécies au sujet de ton mari? Dis-moi, qu'est-ce que t'as plu chez moi? J'aime cet excellent docteur que t'es. Vas-y, il doit y avoir d'autres choses. J'aime ton sens de l'humour. Je me délectais à écouter tes histoires. J'apprécie beaucoup tes conseils. Et tu sais, j'adore le fait que t'aies un cœur tellement grand et rempli d'humilité. Je me sens vraiment bien à tes côtés. Merci, ma chérie. Alors, Tekena, oui. C'est ton tour. Vraiment? J'adore la façon dont tu fais les choses. Jamais pour toi-même, mais toujours pour les autres. Honnêtement, si tu n'étais pas dans ma vie, je serais perdu. Tu es la seule à qui je n'ai jamais raconté de mensonges. Et je suis une très bonne mère. Remplie d'affection. C'est incroyable. J'ai l'impression que toutes les fois où je te vois sourire, mon corps bat encore plus fort. Merci. Oh, mon ami est tout ému. C'est comme ça, la vie, hein? Ah oui. Waouh, je suis heureuse pour vous. Je pense que c'était la toute première fois que toi et moi sortions ensemble. De nous-mêmes. Ah ouais. J'ai aimé. C'est assez intéressant. J'aime bien ton obsession pour les hommes. Oh, arrête. Je ne suis obsédée par personne. Je ne sors avec aucun homme. Donc tu voudrais dire que tout à l'heure ce n'était pas une sortie? Non. Je veux dire, je suis célibataire. Je passe encore sur le marché. Donc tu n'as ressenti aucune attraction émotionnelle? Rien du tout. J'ai du mal à te croire. C'est pourtant vrai. Ah, bonne nuit et merci pour la soirée. Je t'en prie. Bonne nuit.
Bonjour, Palmer. J'aimerais te parler de quelque chose. J'ai du mal à poursuivre ce que je fais, alors je dois te faire une confession. Ce n'est pas la peine, Sally. Je suis déjà au courant. Au courant de quoi? Tu es toujours amoureuse de Tekina. Oh non, je t'en... Et il est également toujours amoureux de toi. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? À cause de la façon dont il se comporte quand tu es là et toutes les fois où vous êtes ensemble. Écoute, tu penses que je ne l'ai pas remarqué, mais c'est le cas. Je précipite toute cette histoire de mariage et fiançailles parce que j'ai peur qu'il ne revienne vers toi. Oh non, écoute, ça n'a pas du tout marché entre nous. Il n'y a plus rien. J'ai tourné la page et lui aussi. Écoute, t'es la femme parfaite pour lui, d'accord? Oh mon Dieu, quel soulagement! En plus, je n'aurais eu aucune chance face à toi. Fais-moi une faveur, Palmer. Écoute, tous les grands hommes font des erreurs, même les grands hommes comme Tekina. Ils en font tous. Alors, si jamais un incident se produit et qu'il te le rappelle, pardonne-le lui simplement et puis avance, d'accord? Bien sûr. Merci beaucoup, Sally. Je t'en Grand prie. Merci. Écoute, retire toutes ces pensées de ta tête. Tekina est à toi. Et vous formerez le plus beau couple qui n'ait jamais existé. Salut. Salut, chérie. Palmer, j'ai quelque chose à te dire. Ok. Je t'ai menti. Pardon? Je ne suis pas marié. Je n'ai jamais été. Oh, ok. Je n'ai aucun enfant. Oh mon Dieu. Quant à Vera et Sally, le vrai nom de Sally est Fiona. Elle est mon assistante de bureau. Et Kendrick, son vrai nom c'est Koji. C'est mon ami. Donc c'est une mise en scène. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas te dire la vérité sur le vagabond que j'ai été. À lancer là avec une alliance pour tacler les jeunes filles. Juste pour trouver un peu de plaisir. Au fait, je t'en ai une part parce qu'il fallait bien que je laisse de côté ce mensonge. Pourquoi nous avançons? Je le savais déjà. Depuis un moment. Comment est-ce possible? Je te parle d'une vie que j'ai menée il y a environ 3 ou 4 ans. Comment l'as-tu fait? Enem me l'a dit. Je suis follement amoureuse de Tekina. Je peux imaginer. Si seulement je pouvais être à ta place. Sans aucun doute, elle a sûrement fait quelque chose de merveilleux. Bien sûr. Je veux dire, c'est tellement drôle. La façon dont je l'ai rencontrée. Découvrir son alliance dans sa poche. Mais c'est fou tout ça. Ma chère. Ne sois pas bête. Cette alliance est en fait un appât pour pêcher des filles. Ils savent qu'elles n'ont aucun avenir avec un homme marié. Tu dois t'assagir. Tu es en train de poursuivre une victime. Chérie, tu dois réfléchir. Tu pourchasses une victime. Bien, je sais que nous sommes toutes des femmes, mais... Tu devrais avoir un œil plus averti. Mais je t'aime toujours, T. Quoi? Oui, je t'ai battu à ton propre jeu, Tekina, mais... Mais... À un certain moment, je suis tombée amoureuse de toi. Et je me suis dit qu'il fallait que tu te livres avant que je ne l'avoue. Et tu viens de le faire. Je souhaite toujours t'épouser.
Quoi? Fille! Tekena? Salut. Salut. Comment ça va? Alors, comment s'est passée ta demande en mariage? Tout s'est très bien passé. Des détails? Tu sais, j'ai au moins pensé à passer du temps avec la femme que j'aime. Et à la façon dont cette aventure peut se dérouler. Mais... de moi. Elle n'était pas là. Elle n'était pas. Pourquoi? Tu sais, certains garçons. Je suis un garçon. Et généralement, nous identifions difficilement ce qui est bon pour nous. Je me demande à moi-même à quel moment je suis réellement tombé amoureux de toi. Est-ce que c'est lorsque nous avons décidé de venir un week-end au... Alors, la première fois que tu entrais dans mon bureau. Tekena, je... J'ai un enfant. Écoute. Je sais. Je la connais. J'ai envie de passer 23 heures de mes journées avec elle. Et l'autre heure? J'ai volé ton cœur. Et aujourd'hui, j'ai une fille. Grâce à cette mise en scène. Mais non. Ceci n'est pas une sale mise en scène. Le temps a démontré sans aucun doute que nos cœurs forment qu'un seul. Et ce cœur que tu penses avoir volé a toujours été à toi. Je t'aime, Tekena. Je t'aime aussi. Une autre chose. Je suis toute excitée de savoir que ma fille aura enfin un père à ses côtés. Oui. Donc je suis désormais papa. Oui. Oui. Et j'en suis si fière.